Hello tout le monde, c'est l'Eleven 6. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Grey Garden. Et juste pour information, on n'est même pas encore à la moitié du let's play. Donc ça va être long. Mais je sais pas si... Je pense faire des épisodes un peu plus un peu plus longs. En espérant que ça plaît à certaines personnes, parce que c'est ce mercredi-là que je poste. Enfin, c'est le premier mercredi. Enfin. Oh, ça a l'air d'être. C'est un truc de cheveux d'une personne, quoi. Apparemment, ils ont vu une fille et ça pourrait bien être elle. Enfin. Oh, vous. Enfin, je sais pas comment expliquer. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes en vie? En fait, si on n'est pas en vie, on te répondra pas. Oh. On dirait qu'ils sont revenus parmi nous, quoi. Est-ce que c'est le vôtre? Bah, apparemment, c'est le leur. Ah, oui, c'est un truc dans les cheveux, quoi. Ah, bien. Donc, tu es le truc de Caleb. Enfin, tu es le chat de Caleb, du coup. Enfin, vous êtes les chats de Caleb. Ah oui, nous avons vu, nous savons. Vous avez vu? Oui, mais... Je crois qu'ils les ont suivis. Ah, je sais pas compris. Ah, je vois. Donc, juste qui est ce démon qui... Pourquoi j'ai appuyé? Je crois que c'est genre qui était ce démon quoi qui a attaqué Ezio et tout. Je ne sais pas. What could it be? Il en a après quoi? Je ne sais rien du tout, mais il a dit que ce n'était pas ouais qu'il ne s'en prend qui ne oh merde comment on dit oh, je perds mes mots, c'est un truc de fou qu'il n'en avait pas après été ou quoi hein. Gold, donc or et bijoux. Probablement que non. Ouais, je sais pas trop. Comment vous deux, vous pouvez agir comme... Comme si vous vous en foutez. Hein? Ne dites pas et à moi, quoi. Pas de et à moi. Mais nous ne sommes pas... nous pouvons dire que depuis le mood, les choses sont mauvaises probablement. Depuis le mood. The mood, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense... Ouais, elle dit, je pense que vu que Ezio c'est une divinité et tout, c'est le dieu et tout, et ben elle est probablement en sécurité. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler, idiot? Oh, il a toujours dit, il l'a toujours dit, Lord Kleb, je veux dire. Que nous deux
beaucoup. Deux sont des grosses idiots. Ah oui. Alors là, elle fout la merde, mon truc. First and foremost, I think this is quite clearly. Je pense que c'est un peu clair comme une statue d'urgence, non? Oh là là, je n'ai rien compris. Ouais, je pense que eux non plus ils comprennent rien de ce qu'ils disent. Oh, un tremblement de terre? Peut-être. Un arbuste. Regarde. À l'est. Qu'est-ce que ça peut être? Quelque chose là-bas. C'est près de la forêt. Ah oui, c'est près de la forêt que nous avons été il n'y a pas longtemps. Nous devrions aller vérifier. Je pense que nous devrions y aller et vérifier. Attendez une seconde. Oh. Vous venez avec nous? Ce serait mauvais de vous laisser ici, de les laisser ici. Je pense que c'est le meilleur. Ok, allons-y. Ou attendez. Allons-y. Nous y sommes. Nous y sommes. Est-ce que c'est le chemin de droite? Oui. Qu'est-ce que c'est? La sensation des ennemis. Je sens des ennemis. Pourquoi sont-ils ici? Est-ce que ce sont les trucs Lord Club mentionnés? Peut-être. Qu'ils essayent de faire? C'est un cercle magique. Ça les emmène n'importe où, je crois. Ah, mais pourquoi? Raison? Donnez-moi une raison. Ah ouais, d'accord, carrément, ok. Qu'est-ce que ce monde? Hein, Shilan? Où sont partis les deux? Ils sont retournés? Enfin, ils sont tout près? Non, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Turn around. Non, 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 non. Arbus, nous devons partir. Nous devons y aller. Oui, nous devons. Tiens, terminé. Allons-y. Sont partis.
Et est-ce que tu te souviens de ce que je t'avais dit? Etty où? Etty, pardon. Juste mon imagination. Mais pourquoi il la cherche pas? Il est con, lui. Je me souviens de beaucoup de choses par le passé. Qu'est-ce que c'est que ces choses qui viennent autour? Non. Ouais, ça doit être par rapport à ce qui... Je suis fatiguée. Sans le vieux stupide Yoda, je dois faire tout le travail, tout son travail, pardon. Tête d'ange. Je te montrerai dans quelques jours. On doit faire tout le boulot. Quoi? Quoi? Je l'ai. Des pierres cassées? Pas de quoi s'inquiéter si les téléphones ne marchent pas très bien. C'est normal que les téléphones ne marchent pas très bien si les pierres sont cassées. Mais qui l'a fait? Qui a fait ça? Je me demande ce qui se passe. Non. C'est Yoda, putain. Elle prend beaucoup de temps à Ethio. Où est-ce qu'ils sont partis? Ne me dis pas qu'ils sont partis et qu'ils sont se sont perdus. C'est possible. Aurora, parfait. Est-ce que tu as vu Ethio? Oh, sire démon. Pas de ça. La tête d'ange est tombée du ciel. Ah. Il doit rien comprendre, le gars, en mode de... What the fuck? Yoda! Qu'est-ce qui se passait, quoi? Ils auraient peut-être... Ouais, voilà, en gros, on aurait peut-être le soigner et il peut pas parler, quoi. Il peut vraiment pas parler. Parce qu'il est blessé. Hé, monsieur le démon! Ne peux-tu pas le soigner? Mon talent est détruit et n'est pas réparable. Frère, ne parle pas. Nous parlerons plus tard.
Il a l'air de vouloir dire quelque chose. Creuser pour Ōshasuke. D'accord. Je comprends rien de ce qu'elle dit. Juste prends beaucoup de repos, s'il te plaît. Non. Frère, Eti, tu as besoin de courir. Je crois que c'est un genre de... De merde, comment ça s'appelle, tu sais, les trucs des cimetières là? Tu dors vraiment là-dedans? Est-ce que les espaces noirs te calment? Soudainement parti, et maintenant tu es tombé du ciel. Vraiment, je ne te comprends pas. Le château est vraiment très silencieux. Où est-ce que tout le monde est parti? Et monsieur le démon était en train de rechercher son dieu. On devrait juste laisser la tête d'ange se reposer. Je devrais aller regarder dehors. Pourquoi tout le monde est parti? En fait, si je le saurais, je te le dirais. Non, il y a des gens. Qui est là? Ravi de te rencontrer, je suis Rieta. Je crois que c'est je vais t'obliger ou je sais pas quoi. Un tremblement de terre? Pourquoi c'est ici? Pourquoi il y en a un? Quelque chose ne va pas. Qui? Ouh là 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 là. Magnifique. Qui es-tu? Qui s'en fout? Oh, mais bon, le nom est Ivlis. Que veux-tu? Ce que je veux? Well, to put it, Blunty. Blunty. Attendez, je regarde.
Si jamais il y a vraiment des trucs. Alors, bluntly. Crûment. À plat. Ah oui, d'accord. Je vais tout mettre à plat. Je veux ta vie. Je n'ai jamais rencontré un truc du genre quelqu'un d'aussi enragé que toi. Oh, c'était ton premier, ta première rencontre. Eh bien, pas plus de formalités. Against, ça veut dire quoi déjà? Je crois que je n'ai rien contre toi. Ah oui, je n'ai rien obtenu de toi. Je n'ai rien à obtenir de toi. Non, je n'ai rien contre toi. Mais je vais te mettre la mort. Enfin, je vais te faire mourir. Je vais te tuer. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça devient genre chaud de la night, hein, vraiment. Hein, quoi? Le trou est ouvert, enfin le path. Mais qu'est-ce que c'était cette explosion? Lol. Oh, c'est un ennemi? Un ennemi, il est. Nous devons le garder en vie comme les ordres de Lord Club. Oui. Le mettre en prisonnier, quoi. Quoi? Quoi? C'est quoi ça? Ce n'est pas Ather et Arbus? Pourquoi sont-ils là? Pourquoi? Ah, my shades. Idiot. Eh, pourquoi es-tu? Ah, la fille du village gris. Nous l'avons trouvée, Arbus. À terre, nous l'avons trouvée. Je vais vous mettre tous par terre, à terre. Girls, nous devons retourner au Grey Garden. Au jardin Grey. Attendez, je vais regarder parce que je me suis toujours demandé Grey. Gris, ouais, bah, c'est ce que je disais. Au jardin gris. Par le grand trou. S'il vous plaît, venez vite. Alors, allons-y, ok? Oh, occupé, occupé. Ah. Prends prisonnier. Énorme. Rai, Rai, Rieta. Rieta. Et Malf? Veux-tu le démon mort qui veut te tuer? Veux-tu que le démon te tue? Non, non, définitivement non, en gros. Miaou! Je ne peux pas bouger. Oh mon dieu. Tu es sur mon chemin. Non, pas les Kitty. Maintenant, nous pouvons y aller? Oui.
Dieu. C'est une ménagerie d'idiots. Ménagerie, ménagerie, ménagerie. Je devrais y aller aussi. Ah, nous sommes de retour. Mais où c'est ça? Utilise tes yeux. C'est la première forêt où nous avons été. La plaque de téléportation est pas loin. Nous devrions retourner au Blank Black Castle. Mais les choses semblent étranges. Est-ce que c'est vraiment notre monde? Flowers, tu penses trop. Tout va bien. Ah. Bon, les gens, on va arrêter cet épisode-là. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, surtout, n'hésitez pas à aimer et à dire ce que vous en pensez. Je suis vraiment désolée, ça va prendre plus de temps que prévu, le RPG. Donc, voilà. Donc, tant pis, ça va prendre peut-être 4 mois. Parce que en sachant que ça fait 4, plus 4, plus 4, plus 4, non, plus que ça. Hein. On verra. J'essaierai peut-être d'alterner si jamais je fais un RPG autre après celui-là. On verra tout ça. Donc d'ici là, prenez soin de vous et puis bye bye!